La saison 3 de Qui veut être mon associé touche à sa fin, ce mercredi 8 février. Le témoignage très émouvant de Cathy, utilisatrice de l'innovation de GoSensé, a énormément touché les internautes. La troisième saison de Qui veut être mon associé prend fin, ce mercredi 8 février. Des entrepreneurs en quête de fonds pour accélérer sur leur marché ont pitché pour la dernière fois devant Delphine André, Éric Larchevêque, Jean-Pierre Nadir, Anthony Bourbon, Isabelle Chevalier ou encore Marc Simoncini. Ce dernier épisode a été marqué par la levée de fonds record de cette édition. Le créateur de Helio Hunter a ainsi subjugué trois Business Angels, qui ont uni leurs forces pour lui proposer 1 000 000 d'euros contre 25% des parts de sa société. Mais un autre projet a, lui, énormément touché les Business Angels et les téléspectateurs de M6. Le témoignage de Cathy émeut les investisseurs. Les deux fondateurs de GoSensé avaient choisi de faire témoigner Cathy, devenue non-voyante à l'âge de 28 ans, afin qu'elle explique l'apport de leur innovation, une canne blanche intelligente destinée à faciliter les déplacements des personnes qui ont perdu la vue. Imaginez, vous venez de fêter vos 28 ans, vous êtes un jeune papa ou une jeune maman, vous attendez votre deuxième enfant. Et un jour, vous apprenez que vous êtes atteint de rétinite pigmentaire. Vous perdez la vue en quelques semaines. Votre vie bascule. Parmi tous les défis que vous avez à relever, il y a celui de sortir seul de chez vous, sans voir. Si est-il stressant, vous avez peur d'un accident. Vous avez peur de ne pas retrouver votre chemin. 22 ans se passent sans que vous osiez sortir seul de chez vous. Et là, vos amis entendent parler à la télé d'un produit électronique révolutionnaire, a-t-elle raconté, touchant les investisseurs par son récit. Avant d'expliquer qu'il s'agissait de son histoire. Vous l'avez compris, cette histoire, si est-il la mienne. 22 ans, sans sortir de chez soi, si est-il long. Si je suis venu témoigner aujourd'hui, si est-il pour vous dire que Rango a changé ma vie et je pense qu'il peut changer la vie de beaucoup de déficients visuels. Un récit très émouvant, qui a aussi beaucoup fait réagir les internautes. Les internautes peinent à retenir leurs larmes, ils ont été nombreux à être bouleversés par l'histoire de Cathy. Dès les premiers mots, une boule dans la gorge. Joli projet, ça y est, le pitch de Rango m'a déjà donné une poussière, faut pas mettre des histoires comme ça, je suis fragile moi, je chiale, on réagit les tweetos. Après le projet écologique de Helio Hunter, d'autres téléspectateurs ont constaté que ce nouveau projet était d'utilité publique. Ce projet humain est formidable. Aider les gens en situation de handicap, ça n'a pas de prix. Bravo les garçons pour votre bienveillance, a ainsi réagi un téléspectateur. Pour beaucoup, cette troisième saison s'est achevée en beauté grâce à ces projets solidaires. J'y peux pleurer là, visage qui pleure, hashtag Gdema, Melou, étoile, étoile, arrobase Melou Moreau, février 8, 2023 très beau storytelling, hashtag Kevema, Sonia arrobase et sexeni hashtagram, février 8, 2023 dès les premiers mots, une boule dans la gorge. Joli projet. Hashtag Gdema, Princesse Pétasse arrobase Princesse Pétasse, février 8, 2023 ça aime touche trop les projets bienveillants comme ça. Purée hashtag Gdema, Melou, étoile, étoile, arrobase Melou Moreau,
février 8, 2023. Ça y est, le pitch de Rango m'a déjà donné une poussière. Hashtag Kvema, hashtag qui veut être Emonas aussi pique. Twitter.com/narandex10, Laurel Adler @LaurelIdley, février 8, 2023. Dollar canadien me fait pleurer ces histoires, moi je suis trop fragile. Hashtag Kvema, 4. @Catapulte, février 8, 2023. Je sens qu'on va être touché la pointe d'Iazra. Hashtag Kvema pique. Twitter.com/2S8 qui dit YPKDK, Cassie, croquette de poisson, on est undiscovered, violon, piano, guitare, @onestundiscovered, février 8, 2023. Oui, je chiale. Hashtag Kvema, @RocoFidomi, février 8, 2023. Faut pas mettre des histoires comme ça, je suis fragile moi. Hashtag Kvema, M, France, @Mano1103, février 8, 2023. L'histoire de Cathy, avec mon cœur d'artichaut, hashtag Kvema pique. Twitter.com/VFMTWHQMS9, @Sojoulet, février 8, 2023. Elle donne beaucoup d'espoir, l'émission de ce soir. Hashtag Kvema, Justine B. @RealJustab, février 8, 2023. Parce que ça n'arrive pas qu'au autre, voici un beau projet qui devrait être d'utilité publique. Applaudissements, hashtag Kvema, hashtag qui veut être Emonas aussi pique. Twitter.com/V7Canox, Steph KG @KG-Bastep, février 8, 2023. Ce projet humain est formidable. Aider les gens en situation de handicap, ça n'a pas de prix. Bravo les garçons pour votre bienveillance. Hashtag Kvema, Melou, étoile, étoile, @MelouMoreau, février 8, 2023. À lire aussi, on a signé le premier accord, le fondateur de Helio Water, qui veut être mon associé, se confie sur sa levée de fonds record. Just me.